Matthieu 27, chapitre 27, verset 15. Matthew 27. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier. Celui qui demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier famille nommé Barnabas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche ?» Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ, car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, « Qu'il n'y ait rien entre toi et ses justes, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire libérer Jésus. Now, at the feast of the governor was warned to release unto the people the prisoner whom they would, and they had them a noble prisoner called Barabbas. Therefore, when they were gathered together, Pilate said unto them, whom will hear that I release unto you, Barabbas or Jesus, which is called Christ? For he knew that for envy they had delivered him. When he was set down on the judgment seat, his wife sent unto him, saying, Have thou nothing to do with that just man? For I have suffered many things this day in a dream because of him. But the chief priest and the elders persuaded the multitude that they should ask Barabbas and destroy Jesus. Amen. Let's pray. Merci, toi, Père Céleste. Thank you, Father. Merci pour ta parole bénie. Thank you for your blessed word. Nous te prions, Seigneur. We pray. De nous donner, Seigneur, l'entendement qui est en toi, Père. To give us the understanding that was in you. Car ta parole, il s'agit de ta pensée. Because your word is your thought. Comme déclare ta parole, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. As declare your word, the letter killeth, but the spirit. Que ton esprit qui est cette dynamique, Père. May your spirit which is dynamic. Puisse nous joindre, Père. May anoint us. Puisse nous inspirer, Père. Inspire us. Afin que nous puissions tenir, saisir ta pensée. So we can hold your thoughts. Bénis la lecture de ta parole. Bless the reading of your word. Bénis chacun de nous. Bless each one of us. Dans le nom précieux de Jésus. In the name of Jesus Christ. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer avec les sept fêtes. We're going to continue with the seven feasts. Aujourd'hui, nous allons parler de la fête des expiations. Today we're going to speak of the feast of expiation. Atonement. Nous savons que dans les trois ans et demi, you know, in the three and a half years, que Jésus était venu, that Jesus came, c'est lui qui était l'expiation. He was the atonement. Amen. Parce que la promesse était faite que because the promise was made, la semence de la femme écrasera la tête du serpent. That the seed of the woman will destroy the head of the serpent. Shabruz. The head of the serpent. Alors, depuis que la promesse a été faite, since the promise was made, les animaux ont été immolés. Animals were slain. Jusqu'à ce que l'agneau parfait est venu. Ah, until the perfect lamb came. Et quand l'agneau parfait est venu, when the perfect lamb came, dans la première moitié de la 70e semaine, in the first half of the 60 weeks of that, or that 17th of Daniel, et les trois fêtes ont été accomplies, and the three feasts was fulfilled, à la première partie, at the first part, et après, and then after, on a eu la fête de Pentecôte. We had the feast of Pentecost. Dans les âges de l'église. In the church ages. Et on avait dit qu'après les âges de l'église. He said after the church ages. Après les deux ans de Osée. After the 2 years of Osée. Par les deux jours d'Osée. The 2 days of Osée. Le troisième jour. The third day. Israël qui avait rejeté l'expiation ici. Israel that rejected the atonement. Qui était la parole faite chair. Which was the word made flesh. Devait
retourner, had to go back pour prendre, pour accepter l'expiation. To accept the atonement. La raison de la fête des trompettes, the reason of the feast of the trumpets, c'était pour reconnaître l'expiation. It was to recognize the atonement. Frère dit que l'agneau ne sera plus immolé. Probably the lamb will not be slain. Yes? C'est le même agneau qui a été immolé de la première moitié de la fête. It's the same lamb that was slain at the first half of the 17th week. Et c'est le même agneau qui sera reconnu. It's the same lamb that will be recognized. Le frère Branham dit qu'ils vont reconnaître simplement qu'ils avaient rejeté l'expiation. They will only recognize that they rejected the atonement. Et le nombre de ceux qui devaient reconnaître l'expiation, c'est les 144. And the number of people that were supposed to recognize the atonement are 144,000. Amen. On avait vu la fête des trompettes. We saw the feast of the trumpets. On a dit que les Juifs sont appelés par les trompettes. We saw that the Jews are called by the trumpets. Et on avait dit que les trompettes. And we said that the trumpets ont sonné sous le sixième sceau. Sounded under the sixth seal. Et on avait vu que c'était les six trompettes qui ont sonné sous le sixième sceau. And we saw that it was the sixth trumpet that sounded under the sixth seal. Et la septième trompette devait sonner. Dans le chapitre 11. And the seventh trumpet was supposed to sound it in chapter 11 of Revelation. Revelation chapter 11. On avait dit que c'était le septième ange qui avait sonné cette trompette. We said it's the seventh angel that sounded the trumpet. Et nous savons très bien que le septième ange, c'est le frère Branham. And we know the seventh angel is Brother Branham. Amen. Amen. Et le frère Branham dit que les deux témoins, ont ouvert le sixième sceau. But Branham said the two witnesses of that one who opened the sixth sceau. Amen. Et nous voyons ici que, and we can see here, dans les anges d'église, il s'agissait d'Apocalypse 1 à 3. In the church ages, it was about Revelation 1 to 3. Et au chapitre 4, l'épouse est enlevée. In chapter 4, the bride is raptured. Au chapitre 5, elle voit le trône. In chapter 5, she sees the throne. Et au chapitre 6, in chapter 6, nous voyons l'ouverture des sceaux. We see the opening of the seal. Mais si vous remarquez, il n'y avait que 6 sceaux qui étaient ouverts là. If you notice, there were only 6 sceaux that were opened there. Amen. Avant d'ouvrir le septième sceau, before opening the seventh seal, c'est l'appel des 144,000. It's the calling of the 144,000. C'est pourquoi le frère Branham dit que les Juifs sont appelés entre le sixième et le septième sceau. That's what Brother Branham said. The Jews are called between the sixth and the seventh seal. Donc, ce sont les six sceaux qui sont ouverts là. It's the six seals that are open there. Et le frère Branham dit que sous le sixième sceau, il y avait six trompettes qui avaient sonné. And Brother Branham said, under the sixth seal, there were six trumpets that sounded. Et c'était l'introduction de la paix de 144,000. Introducing the 144,000. Lisons pour le chapitre 7. Let's read our Revelation chapter 7. La Bible dit ceci. The Bible says this. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils tenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il ne souffle point du vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait les sceaux de Dieu vivant. Il criait d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et dit: ne faites point du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Amen. Amen. Et le front du serviteur de notre Dieu. The forehead of the servant. Frère, on a dit que ça c'est Israël. Abraham said, this is Israel. Parce que l'épouse n'est pas serviteur. Because the bride is not a servant. Et au chapitre verset 4, in verse 4, la Bible dit, the Bible says, et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. And I heard the number of them which were sealed. 144,000 de toutes les tribus des fils d'Israël. And they were sealed in 144,000 by the tribe of Israel. Amen. Amen. Nous comprenons que le scellement, c'est le baptême du Saint-Esprit. We understand that the seal is the baptism of the Holy Spirit. Et après les âges de l'Église, after the church ages, l'Église aussi devait reconnaître son expiation. The church was supposed to get her atonement. Comme je l'ai dit, as I said,
L'expiation pour les Juifs, the atonement for the Jews, c'était la parole qui était faite chair. It was the word made flesh. Pour les gentils aussi, for the gentiles also, c'est la parole qui devait être, qui devait se faire chair. It's also the word that was supposed to be made flesh. Reconnaître cela, recognizing it, c'est ça l'expiation. That's the atonement. On a vu le ministère des frères Branham. We see in the ministry of the frères Branham a manifesté le Fils de l'homme. Branham manifested the Son. Nous avons vu le mystère du retour de la colonne de feu. We've seen the returning of the pillar of fire. Et la présence d'un prophète sur la terre. And the presence of a prophet. Cela parlait de la présence du Messie sur la terre. That was speaking of the presence of the Messiah. Amen. Et les gentils aussi ont rejeté ça. And the gentiles also rejected it. Et les frères Branham ont prêché les rois rejetés. And the Branham preached of the rejected king. Lorsqu'ils ont rejeté l'expiation des gentils. When they rejected the atonement of the gentiles. Jésus devait repartir chez les Juifs. Jesus was supposed to go back to the Jews. Mais le problème ici que, but the problem here is, Jésus n'est pas reparti chez les, Jésus n'est pas reparti chez les Juifs dans son ancien corps. Jesus did not go to the Jews with his old body. C'est le même Jésus qui était chez les gentils. It's the same Jesus that was to the Gentiles. C'est le même qui va chez les Juifs. It's the same Jesus that goes to the Jews. Amen. Amen. Comme les Juifs l'ont dit, as the Jews told him, si ils voient les œuvres, if they see the works, ils vont croire en toi. They will believe in him. Et le frère Branham lui-même a préparé le voyage. And Baba Nam is prepared pour aller en Israël. To go to Israel, pour organiser les réunions, to have a meeting, en fait, les Juifs puissent reconnaître. So the Jews can recognize the atonement. Vous connaissez bien l'histoire. You know the story. Et quand il est arrivé en Égypte, and when he got to Egypt, Dieu lui a dit de ne pas aller là-bas. God told him not to go there. Amen. Amen. Parce que s'il allait là-bas, because if he went there, il allait briser les tibes. He was going to. Il devait rester. He was supposed to stay here to the Gentiles. Que les Juifs puissent venir ici. And the Jews were supposed to come here. Amen. Comme je l'ai dit la fois dernière, as I said last time, que le signe the sign qui a été donné, that was given, c'était Israël qui devait devenir une nation. It was Israel that was supposed to be a nation. Le frère Branham dit qu'Israël était sans patrie. But Branham said Israel was without a country. Ils étaient éparpillés dans le monde. They were around the world. Ils étaient en train de se battre pour avoir en fait une patrie. They were fighting to have their own land. Et le frère Branham dit lorsque les Nations Unies ont confirmé Israël comme une nation. But when I say when the United States confirmed Israel as a nation, l'ange l'a visité comme signe. The angel visited him. Et en ce moment même là, in that moment, le frère Branham dit qu'il y avait quelque chose qui devait se passer. But when I say there was something that was supposed to take place, Israël devait reconnaître l'expiation. Israel was supposed to recognize the atonement. Frère Branham dit ils n'ont plus le temps d'aller immoler les oies et les bêtes. But when I say they haven't got time to go and slay the animals. Et ils vont reconnaître simplement. They only have to recognize les Jésus qu'ils avaient rejetés. The Jesus that they rejected. Et nous allons voir le ministère de frère Branham. And we see the ministry of frère Branham. Il a parlé aux Juifs. He spoke to the Jews. Un jour, il y avait un Juif qui avait rencontré le frère Branham. One day there was a Jew that met frère Branham. Les Juifs lui dit. The Jews told him. Par quelle autorité as-tu remis la vie à John Ryan? By which authority have you given the sight to John Ryan? Le frère Branham lui dit, par l'autorité de Jésus, le Fils de Dieu. But what I'm saying is that by the authority of Jesus, the Son of God. Et le rabbin lui dit, loin de Dieu l'idée d'avoir un fils. The rabbi said, away from the idea of God having a son. Et le frère Branham lui dit, and Brother Branham said, rabbin, crois-tu tout ce que les prophètes ont dit? Do you believe everything that the prophet said? Il dit, bien sûr que je crois les prophètes. He said, yes, I believe the prophet. Il dit, quand Isaïe a parlé dans sa prophétie, il s'agissait de qui? When Isaiah spoke in his prophecy, who was he talking about? Le rabbi lui dit qu'il s'agissait du Messie. The rabbi said it was the Messiah. Le frère lui dit, quel rapport y a-t-il entre le Messie et Dieu? But when I say what relationship is between the Messiah and God? Il dit, le Messie sera Dieu lui-même. He said the Messiah will be God himself. Alors le frère lui dit là, en quoi Jésus n'a pas rempli les conditions? And Baba said, in what Jesus did not fulfill the condition? Amen. Amen. Et le rabbin lui dit, and the rabbi said, frère Branham, Barbanam, si je prêche ça à la synagogue, if I preach that in our synagogue, je vais boire de l'eau plate et je vais commander mon père. I will drink just water and beg for bread. Il dit, je vais manger du pain sec. I will eat dry bread et boire de l'eau plate. And drink just plain water. Et frère Branham dit que, rabbin, est-ce que tu crois? And Branham said, Rabbi, do you believe? Frère Branham dit que les larmes ont commencé à couler de ses yeux. Branham said,
tears was coming out of his eye. Et il a dit au frère Branham, je te parlerai une autre fois. He told Brother Branham, I'll speak to you another time. Et il est parti. And he went. Le rabbi avait reconnu. The rabbi recognized. Mais il avait rejeté. But he rejected the atonement. Il avait compris que celui-là c'était Christ. He understood that that one was Christ. Amen. Mais à part lui. Apart from him, il y a aussi d'autres rabbins qui ont reconnu. There's also other rabbis that Michael like Matthew. Amen. Et celui-là avait apporté le message aux Juifs. That one brought the message to the Jews. Et les Juifs ont reconnu l'expiation. The Jews recognized the. Parce que la fin des expiations venait avant la descente de la pierre de fer. Because the end of the atonement will come after. Before the coming down of the headstone. Parce qu'avant la descente de la pierre de fer. Before the headstone. Qui est la grande trompette. Which is the great trumpet. Il fallait qu'il y ait d'abord la fête des expiations. They were supposed to have the feast of atonement. Vous allez voir que Dieu a décalé la septième trompette. You will see that God. Okay. Dieu a décalé la septième trompette. En introduisant la paix des sacrements premiers. God delayed the seventh trumpet by introducing the 144,000. Amen. Parce que la septième trompette. Because the seventh trumpet annonçait l'entrée d'une personne importante. Was announcing the coming of a very important person. Et la septième trompette pour nous c'est le septième seal. And the seventh trumpet for us is the seventh seal. Oh, en ce moment-là, Israël vient. At that moment when Israel comes. C'est pour rencontrer Joseph. It's to meet Joseph. Amen. C'est la descente de la nuée. It's the coming of the cloud. Oh, avant de venir d'arriver à la descente de la nuée. Before getting to the coming of the cloud. Il devait d'abord reconnaître l'expiation. He had to recognize the atonement. Amen. Et Israël reconnaît l'expiation. And Israel recognized the atonement. Par les œuvres. By the words. Donc l'agneau, le souverain sacrificateur prenait l'agneau. The high priest would take the lamb. Il va trancher la gorge. He will slay. Il va prendre le sang. He will take the blood. Il va entrer dans le sein des saints. He will go to the holiness of holies. Amen. C'était une préfiguration de Jésus. It was a type of the coming of Jesus. Et quand Jésus est venu. And when Jesus came. Lui en tant qu'agneau de Dieu. Him as the lamb of God. Baptisé. He was supposed to be baptized. Amen. Pas parce qu'il était pécheur. Not because he was a sinner. Mais parce qu'il était sacrifice. Because he was a sacrifice. Il devait être lavé. He was supposed to be washed. Et la Bible dit que Jésus a pris son propre sang. And Jesus said, the Bible says Jesus took his own blood. Il est entré dans un tabernacle qui n'a pas été fait par les mains des hommes. He went into this tabernacle that was not made by man hands. Et Jésus est parti avec son propre sang. Jesus went in there with his own blood. Et le sang c'est la vie. And the blood is life. Et il est entré avec sa propre vie. He went in there with his own life. Mais dans le tabernacle que Jésus est entré. Now the tabernacle that Jesus went in. C'était les anges de Christ. It was the church ages. Amen. Amen. Et le frère Branham dit que. And Brother Branham said. L'expiation. The atonement. Qui était faite par le souverain sacrificateur. That was made by the high priest. Était le type des sept âges de l'Église. It was the type of the seven churches. Amen. Amen. Et Jésus a fait l'expiation dans les sept âges de l'Église. And Jesus did the atonement on the seven in the seven churches. Depuis l'âge d'Éphèse. From the age of Ephesus. Jusqu'à l'âge de la Odyssée. Up to the Odyssey. Arrivé à l'âge de la Odyssée. Getting to the Odyssey. L'expiation pour les gentils était terminée. The atonement for the gentiles was finished. Parce que le frère Branham dit que le livre n'est pas ouvert dans les âges. Brother Branham said the book is not open in the ages. Pourquoi? Parce que why? On devait d'abord racheter tous les gentils. Amen. They were supposed to redeem all the gentiles. Oh, il n'y a pas de rachat sans l'expiation. There is no redemption without an atonement. Parce qu'avant que Jean puisse monter. Before John went up. Aller au ciel, going to heaven, pour voir les livres, to see the books, on devait avoir expié son péché. He was supposed to do the atonement of his Amen. Sin. Donc, c'est-à-dire, voilà pourquoi Luke 17:30 devait se manifester avant l'ouverture du sceau. That's why Luke 17:30 was supposed to be manifested before the opening of the sceau. Parce que Luke 17:30 c'est la parole faite chair. Because Luke 17:30 is the word made flesh. Le même Jésus, the same Jesus, revenant, coming back, sous la personne de William Marlowe Branham. William Marlowe Branham discernait les pensées, discernait les thoughts, faisait les mêmes œuvres que Jésus, doing the same works as Jesus. Et le peuple reconnaissait ça. And the people recognized it. Et reçoit l'expiation. And received the atonement. Comme on avait lu dans le livre des Actes au chapitre 2. As we read in the book of Acts chapter 2. Qui a parlé à ces gens-là? Peter talked to those people.
Le monsieur que vous avez crucifié, the person that you crucified, Jésus, Jesus, Dieu a fait de lui Christ et Seigneur. God made him Christ and Lord. Maintenant, les gens utilisent cette passage-là pour baptiser simplement. People are only using that chapter only to baptize. Mais Dieu était en train d'attirer leur attention. Peter was trying to catch their attention. À l'agneau de Dieu qu'ils avaient rejeté. At the Lamb of God that rejected. Quand Pierre les a montrés, as when Peter showed them, les gens devaient se repentir. Then people were supposed to repent. La repentance c'était quoi? What was the repentance? C'était de reconnaître la parole faite de chair. It's to recognize the Word made flesh. Et après avoir reconnu la parole faite de chair, after recognizing the Word made flesh, ils ont dit mais qu'est-ce que devons faire? They said what should we do? Il a dit repentez-vous. He said repent. Et faites-vous baptiser. And be baptized. Donc ils devaient reconnaître l'expérience. They were supposed to recognize their authority. Et dans notre âge aussi. And in our age, on devait aussi reconnaître l'expérience. We were supposed to recognize our atonement. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que. That's why I always. Un homme dans le pentecôtisme ne peut pas être sauvé, frère. Parce qu'il n'a pas reconnu l'expiation. He did not recognize that. Parce que frère, les Juifs priaient. Brother, the Jews were praying. Ils allaient à la synagogue. They were going to the synagogue. C'était des hommes religieux. They were religious people. Mais ils étaient pécheurs en quoi? What were they seeing? Ils sont devenus pécheurs parce qu'ils ont rejeté la parole faite des chers. They became sinners because they rejected the Word made flesh. Amen. Amen. Message. And today you will see even in the message. Un qui croit le message, a person who believes in the message of the Bible. Qui dit que moi Jésus. And saying, I wait, I'm waiting for Jesus. Parce que qui n'a pas reconnu la parole faite de chair. He did not recognize the Word made flesh. Parce que la présence de la parole de Dieu. Because the presence of the Spirit of Christ. C'est la présence du Seigneur Jésus. It's the presence of the Lord Jesus Christ. Mais Dieu en tant qu'esprit. But God as a spirit. Il ne peut rien faire. Can do nothing. Sans un nom. Without a man. Et la même colonne de feu. And the same pillar of fire. C'est incarné dans un homme. Incarnate in a man. Dans un homme qu'on appelle William Marlowe. In a man called William Marlowe, brother. Il a fait exactement les œuvres de Jésus. He did the same works of Jesus. Mais le problème du message. But the message believes in Jesus. Il dit que nous appelons Jésus. Ah, but il se réfère maintenant à la face de l'homme de Galilée. Now they are referring themselves at the face of the man of Galilee. C'est ça le péché. That's the sin. Et on dit maintenant. Now they say. Le monsieur de Branham là, the man of Branham, that one, que vous avez vu là, that you see there, c'était la parole faite de chair. It was the Word made flesh. Amen. Amen. Le frère Branham dit que l'homme n'était pas Dieu. Branham said the man was not God. Mais le don était Dieu. But the gift was God. Parce que l'homme c'est William Branham. Because the man is William Branham. Et le don c'est la colonne de feu. And the gift is the pillar of fire. Où est la lion de gloire? Or the crown of glory. C'est l'image de Dieu. It's the image of God qu'il avait mis dans l'homme. That he put in the man. Quand on parle de Dieu qui nous a créé à son image. When we're talking about a God that we're creating our image. Il ne s'agit pas de ce monsieur. It's not about this man. Vraiment dit que ce monsieur est créé à l'image de l'animal. But I said this man is created in the image of animal. Celui qui a été créé à l'image de Dieu. The one was created in the image of God. Parce que Dieu est une nuée. Because God is a cloud. Amen. Maintenant vous voyez maintenant la colonne de feu descendre. When you see the pillar of fire coming now. La nuée de gloire descendre. The cloud of glory coming. Et c'est incarné dans un homme. And incarnate in a man. Ne pas reconnaître ça. And not believe that. C'est ça le péché. That's sin. Maintenant vous manquez l'expiation. Now you're missing your atonement. Amen. Et la même colonne de feu. And the same pillar of fire. Qui était dans William Branham? That was in William Branham. Dieu ne pouvait pas contenir simplement la colonne de feu de William Branham. God couldn't just put the pillar of fire on William Branham. Le frère Branham est venu. Branham came. Avec la colonne de feu. The pillar of fire. Qui était la parole? Which was the word? Et là, il a prêché sous forme de la parole. He preached in the form of the word. Et la descente de la nuée. And the coming of the cloud. Qui était l'ouverture des seaux. Le frère Branham a prêché ça sous forme de parole. Branham preached in the form of the word. Mais quand il est en train de prêcher. When he was preaching. C'est la nuée que nous recevons. It's the cloud that we receive. Aujourd'hui, la nuée aussi. Today, the cloud. C'est incarné dans le peuple. And it's incarnated on the people. Mais là, ne pas le now, not recognize la nuée dans son peuple, the cloud in his people, c'est manquer aussi l'expiation. Miss the atonement. C'est ça le péché. That's the sin. Amen. 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 Donc, l'agneau, the lamb, qui était l'expiation, which was the atonement, devait être reconnu. We were supposed to be recognized. Oh, si aujourd'hui les gens ont difficile. Now, if today people have les gens trouvent ça difficile a bit hard à voir Dieu dans la chair humaine. See man
to see God in human flesh. Parce que l'expiation, because the atonement, c'est la parole faite chair. It's the word in the flesh. Amen. Quand on parle des expériences, nous sommes en train de parler de la parole faite chair. C'est Luc 17:30. Luc 17:30 n'est pas Apocalypse chapitre 10. Luc 17:30 is not Luke 17:10. Luc 17:30 c'est dans les âges de l'Église. Luc 17:30 is in the church age. Voilà pourquoi la parole devait se faire chair. That's what the word was supposed to be made flesh. Et discernement de pensée. Discernment of the thoughts. Avant la descente de la nuit. Before the time of the cloud. Parce que le discernement de pensée. Because the discernment. Montrer que Jésus est ici. Show us that Jesus is here. En fait, que les gens puissent recevoir l'expiation. So that people can receive their atonement. Parce qu'on ne peut pas approcher le niveau en tant que péché. We cannot approach the cloud as a sinner. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous parlons de la perfection. That's what we call about. We're talking about perfection. Mais on ne peut pas être des pécheurs. We cannot be sinners. Après la descente de la niveau. After the climb of the cloud. Parce que le fait qu'on dit que la niveau c'est parfait. Brahma said the cloud is a perfect. Et cet parfait est venu maintenant dans des humains. And that perfect came in human. Et voir un homme qui a reçu le niveau comme un pécheur, c'est un péché. Seeing a man that received the cloud as a sinner is a sin. Amen. Parce que la perfection est venue. Because the perfection came. Frère, il ne s'agit pas de ce que nous faisons. It's not about what we do. Yes, comme j'ai dit dernièrement par rapport à la parole. As I say, I'm around. Rendre une prostituée, frère. A prostitute. Ce n'est pas que je soutiens une prostituée. I'm not supporting the prostitute. Mais je suis en train de vous montrer comment Dieu travaille. I'm showing my God how God works. Comme je l'ai dit que chaque chose a sa raison d'être. As I say, everything has a reason. Donc, rendre devait être une prostituée. Rahab was supposed to be a prostitute. C'était la façon que Dieu avait utilisée. It was a way that God used pour cacher les espions. To hide the spies. Parce que si elle n'était pas prostituée, if you wasn't, she wasn't a prostitute. Tout le monde allait se rendre compte qu'il y a déjà dans cette maison. People would notice these people in the house. Oh, comme chez Rahab, les gens vont, ils vont toujours. As Rahab, people were always going in. Alors tout le monde sait que ça c'est une prostituée. And people know that one is a prostitute. Ah, peut-être que c'est parmi ces clients. Maybe it's between. Oh, parmi ces gens-là, but among those people, les espions se sont introduits. The spies also went in. Ils sont partis chez Rahab. They went to Rahab. La Bible ne dit pas le haut, ne nous montre pas le haut Rahab, c'est le parti de sa prostitution. The Bible never shows us where Rahab repented of her prostitution. Mais elle est sauvée. But she was saved. Amen. Amen. Pas, frère, la repentance. Brother, the repentance. Le pardon du péché. The forgiveness of sin. C'est reconnaître la parole de Dieu. Amen. 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 It's to recognize the word of God. Tu peux pouvoir confesser tes péchés comme tu veux. You can confess your sin as you want. Frère, Esaü a pleuré avec la louve. It's a cry. It's a cry with all those that. Amen. Amen. Esaü a pleuré, frère. It's a cry. Mais Esaü ne pouvait pas recevoir les droits de naissance. It's a could not get. Birthright. Amen. Amen. Parce qu'il ne s'agit pas de combien pleure. It's not about how much you cry. Il s'agit de la grâce de Dieu. It's about the grace that God gives. Et la grâce de Dieu c'est quoi? And the grace of God, why is it? C'est pas comme les Pentecôtistes disent. It's not how the Pentecôtistes say. That grace. No. La gloire, la grâce de Dieu, the grace of God, il ouvre les yeux, open your eyes, et voit la parole manifestée dans ton temps. See the word manifested in your time. Amen. Amen. Les Juifs ont été pécheurs, the Jews were sinners, parce qu'ils ont manqué la parole manifestée dans leur âge. They missed the word of flesh in that age. Amen. C'était ça l'expiation. That was the atonement. Et ils devaient reconnaître l'expiation. And they were supposed to recognize the expiation to him. Amen. Amen. Là je vais sauter. I will jump there. Mais la femme dans l'Église ici, my brother said this. La friendship by redemption. By, Il dit la chose suivante. He said the next thing. Le sang de cet innocent. The blood of that this innocent. Of this innocent substitute, donc de substitute de l'innocent substitute, was tried 7 times like that as a public testimony. Maintenant, quand on immolait l'agneau. When there was when the lamb was slain, on prenait le sang. They were taking the blood. On faisait l'aspersion. They were striking it. They were sprinkling. Sprinkling it. Pendant 7 fois. For 7 times. Qui parlait de 7 à
âge de l'Église. This was talking about the seventh age. Amen. Amen. Donc nous comprenons que we understand that. Donc les sept âges de l'Église, the seventh age, c'est déjà fini. It's already finished. Donc ça dit l'expression pour les gentils, c'est fini. That means the expression of the gentiles is finished. C'est pourquoi le frère Branham dit qu'après ça, il n'y a aucun sauvé du côté des gentils. Paul Hell Branham said after that there is no more saved. Il dit tout ce qui reste c'est la boucherie. What's left? Mais même après la naissance de la nouvelle. Even after the time of the cross, il y a aucun sauvé même du côté des juifs. There's no even a saved. Amen. Parce qu'on sauve, on sauve avec le sang. Because we were saved with blood. Donc l'expiation c'est avec le sang. The lamb that was with blood. Donc l'agneau qui avait le sang sur lui. The blood, the lamb that had the blood. Quand il a quitté le trône, he left the throne. Mais il a quitté avec son sang. He left with his blood. Donc c'est le sang qui l'achète. It's what? The blood that we l'alliance du sang. Baran said l'alliance du sang. L'alliance the covenant. The covenant of the blood. C'était simplement dans les sept âges de l'Église. Only on the seventh age. Mais quand l'agneau quitte le trône, when the lamb leaves the throne, le trône devient le trône du jugement. The throne becomes the throne of judgment. Il n'y a plus du sang là. There's no more blood. Parce que c'est lui qui détenait le sang. But the one that had the blood, il a quitté. Donc ça dit que si tu quittais, on ne peut pas nous racheter. Mais comment est-ce qu'on peut dire que nous serons rachetés? Puisqu'il n'y a plus de sang, oui. On ne rachète plus personne. Amen. Donc on ne peut même pas faire l'expiation. Bon, maintenant moi je n'étais pas encore né. Non, moi je n'ai donc moi j'ai été expié avant le sang. Before you meet God, d'ailleurs, moi j'avais même pas besoin d'expiation. I didn't need the atonement. Parce que je suis né après le péché. Because I was born after the sin. Donc, moi quand je suis descendu sur la terre, when I came on earth, je suis né parfait. I was born perfect. Amen. Je ne parle pas de ma chair. Non, je ne parle pas de mon âme. Je parle de mon âme. Comment on a dit que vous avez remarqué que you will notice. La verge d'avant. The Aaron Road. Qui avait le fleur? That flourish. Fabien a remarqué que. Fabien said no. On a mené la verge d'avant. When they brought the road. Dans le pavé extérieur. In Abacote. Le road, comment? La verge n'avait pas le fleur. The road did not flourish. Quand on a mis ça dans le lieu saint, when they took it to the holy place, c'était toujours mort. It was still dead. Mais quand on a mis ça dans le saint, and when they took it in the holy place, ça dit dans la présence de la nuée, in the presence of the cloud, ça dit la verge qui était morte totalement, the road that was dead, totalement, reprend vie. Voilà. Flourished. Amen. Maintenant, aussi dans la dispensation. Now in this dispensation, quand l'Église était dans les âges de l'Église, when the church was in the church ages, c'était aussi des morts. It was dead. Voilà pourquoi il y avait la bataille entre les êtres vivants et les êtres bêtes. That's why there was a fight between the living creatures and the beast. Et dans les quatrième sceau, and in the fourth seal, c'était la dernière bataille. It was the last. Et c'est lui qui est venu là, le cheval pâle. Voilà. And the one that came, the lui, il s'était identifié comme étant la mort. He was identified himself as dead. Maintenant, après ça, after that, Dieu a parlé avec l'onction de l'aigle. God came in the anointing of an eagle. Qui amène l'épouse dans l'enlèvement. Which takes the bride into the rupture. Et jusqu'à il vient. And when Christ comes, il prend le dernier ennemi. Take the last enemy. Qui est cet ennemi là? Which is what an enemy is. C'est la mort. What day? Et la mort c'est la dénomination. And then it's the denomination. Parce que dans les âges de Christ, because in the church ages, ils ont introduit les baptêmes au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. The baptism of the Father, the Son, the les pensées de l'homme. The mentors. Maintenant, now, tout cela produisait la mort. All that produced death. Qu'est-ce que Christ fait? What Christ? Quand il vient, when he comes, il vient révéler la pensée de Dieu, the talk of God, qui anéantit tout ce qui était la pensée de l'homme. Which destroyed everything that was man thought. C'est là que la mort a pris fait. That's where death took place. Et la mort, c'est le péché. And death is sin. Et le péché s'est arrêté dans les âges de l'Église. And sin ended in the church ages. Mais à la fin de la carte, le pouce est enlevé. In the end of the
churches, when the bride was raptured, elle a expiated. Already, she received that atonement. Amen. Amen. Parce que quand tu te maries à une femme, when you're married to the wife, automatiquement la femme perd l'identité qu'elle avait. Well, automatically, the wife loses the identity that she had. Elle perd le nom de son père. She loses the name of her father. Amen. Amen. Elle n'est plus Mulowai. She's not Mulowai. Elle devient Malonga. She becomes Malonga. Amen. Parce qu'elle est devenue épouse. Because oui. She became bride. Même son père, even his father, n'a pas droit sur elle plus que moi. Had no right on her. Amen. Me. But when I say your father, c'était Satan. It was Satan. Wow. Amen. En fait, c'est le trois fois c'est Satan. Because that body is Satan. Mais quand Dieu est venu, when God came, par les liens du mariage, by the marriage, par les liens du mariage, by the lien, marriage covenant, même ton corps n'a plus le droit sur ton âme. Even your body has no rights. Amen. Voilà pourquoi après ça, on ne parle plus du péché. That's why after that we don't talk of sin. Oh non, frère, quand tu es venu, tu as demandé le coup de ton menti. Oh, but when you came, you claim asylum, you lied. Est-ce que c'est moi qui ai menti? Was me, you lied. Il faut séparer. Oui, entre moi et personne. L'expiation, but when I say the atonement, c'est comme l'eau de Javel. It's like a bleach. Frère, Valentin dit qu'il n'y a pas un grand péché et un petit péché. But also, there's no big sin and small sin. C'est pas que parce que tu as demandé le monde. It doesn't mean because you ask for a salam. Tu es plus pécheur que celui qui a menti une fois. That you're more sinner than the one who lies. C'est pareil. We are all sinners. Amen. Frère, il y a aucun homme sur cette terre. But there's no one who's qui est né, who's born, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, qui ne pêche pas. From his birth up to death, he never sinned. Ça n'existe pas. It alors, s'il s'agissait du corps, if it was the body, personne n'ira au ciel. Frère, le ciel sera vide. Amen. But the heaven will be empty. Parce qu'il s'agit de la sémence prédestinée. Amen, amen. It's about predestinated seed. Parce que tu vois, Jacob, un grand mendieur, a great liar. Il est parti dire à son père, non, je suis Esaü. Ah, il n'est pas tous comme ça. Pas de tâche. Il dit, les mains sont les mains de Esaü. Mais la voix, la voix, c'est la voix de Jacob. Il dit, c'est pas Esaü. C'est lui, Esaü. Mais le papa était confus. Le père était confus. Amen. Mais les mains, ce sont les mains de Esaü. Hand is my. The hand is the hand of Esau. Mais ma voix, c'est la voix de Dieu. It's the voice of the high. Et on a béni Jacob. And you bless Jacob. Quand il a reçu la bénédiction, when you receive the blessing, par le way du monde, by the way of Asalam, par le mensonge, by lies, Jacob a reçu le holiness. Jacob received the birthright. Il n'y a aucun endroit dans la Bible où on nous dit que Jacob s'est reparti. There's no place in the Bible where they say Jacob is back. Et il est devenu le père d'une grande nation. He became the father of a great nation. Frère, il s'agit de prédestination. Donc, être parfait, la perfection ne concerne pas la chair. Perfection is not about the body, the flesh. Donc, avant la descente de la nuit, before the coming of the cloud, même si un homme vivait une vie propre, even if a man was living a clean life, il était un péché. Amen. Amen. Le péché, sin, c'est de ne pas avoir Dieu en toi. It's not to have God in you. Amen. Voilà pourquoi, that's why, quand nous sommes venus, and we came, par la substance qui était en nous, by the substance that was in us, qui est Dieu lui-même, which is God, nous a donné le pouvoir de porter les jugements. Gave us the power to to judge. Parce que les saints jugeront la terre. Because the saints will judge God. Amen. Amen. Quand nous apportons maintenant ceci aux gens, when you bring this to people, tu donnes vraiment les citations, frère. Give quotation, brother. Alors on regarde comme ça. Après, ça il ne peut pas te contenir. Il cannot contenir. Il tombe ses mains et s'en va. Judgment. Amen. Amen. Parce que si nous croyons vraiment, frère, maintenant, if you believe, brother, frère, ces choses sont claires. These things are clear. On n'est plus dans les âges de l'Église. We are not in the church ages. Ce qui veut dire que la nuit, donc l'expiation devait avoir fait. The atonement was supposed to end. Et
si nous avons déjà nous sommes arrivés à la fin de la situation. If we were in the end of the atonement, l'épouse ne peut plus rester ici. The bride cannot stay here. Elle doit partir dans le foyer. She has to go to the rapture. Et à la descente de la nuée, and in the coming of the cloud, le frère nous dit, c'est Christ et son épouse qui retournent. Christ and his bride and ma citation, ma soupe. Amen. Quotation, black and white. Amen. Amen. Et celui qui est parfait, the one who is perfect, qui a la représentation de Dieu, who has the representation, dira amen à ça. Amen. Mais celui qui n'a rien à lui, but the one who has nothing in him, il te dira ah, frère, moi je ne crois pas ça. Après ils vont tourner, non frère, il faut simplement les bandes. We have to only listen to the church. Parce que le pasteur a trouvé les gens. Because the pastor is confusing people. Frère, on a les bandes, on a écouté la bande à la maison. Friday we listen to the church at home. La vie cachée. Oh, the hidden life. Après la prédication, after the sermon, j'ai demandé aux enfants. I asked the children. Expliquez-moi ce que le frère Branham a dit. Explain to me what Branham said. Chaque personne a donné son explication. Sorry, each one of them gave their own explanation. Chaque personne expliquait de sa manière. They all explained it in their own ways. Amen. Amen. Et quand j'ai expliqué, il n'y a personne qui avait compris ça comme moi. It was no one that understood it like me. Voilà pourquoi l'histoire des bandes là, c'est une façon de fuir la révélation. It's a way of running away from revelation. Amen. Amen. Parce que quand on parle de la grande trompette, when we talk about the great trumpet, on a dit que ce qui était pour nous le septième son, which was for us the seventh seal, pour Israël c'est la septième trompette. If for Israel it's the seventh trumpet. Le septième son c'est la descente de la nuit. The seventh seal is the coming of the king. Et après, la grande trompette introduit Joseph. But once the trumpet introduit Joseph. Introduit Joseph. Mais frère, c'est clair. But it's clear. Même si tu vas écouter la bande trompette. Even if you go and listen to it by yourself, you will écouter ça. You will listen to it. Donc c'est juste un moyen de fuir la révélation. It's just a way to run away from revelation. Mais toi, on va y aller. We are going. We are watching them. Le frère Branham dit ceci. But I'm saying this. And so it is today. When people laugh and say they divine healers, they holy holers, they doubt this and that. I'll admit it, but they fail to see the blood of Jesus Christ, the Son of God, moving on before the church. Quand les gens disent ça, ils ont manqué de voir le sang de Jésus qui est en train de se manifester dans l'église. Il dit, that's right. Et cela explique. There's a sin atonement made for the church. C'est quoi? C'est le sang de Jésus. Le sang, c'est quoi? Le sang, ce n'est pas une substance rouge. The blood is not about a red substance. Amen. Faut on dit que quelqu'un lit le sang de Jésus. But when we say some leaks of the blood of Jesus, ne pouvait pas suffire le monde entier. Wouldn't be enough for the whole world. Donc, il fallait que la même vie qui puisse revenir. The same life had to come back. Amen. The fact that people you won't know God, move on. Les gens qui connaissent Dieu avancent. Amen. Amen. Faut pas dire qu'en ce moment même, il y a quelque chose de surnaturel. Qui se passe dans les croyants du surnaturel. Faut pas dire qu'un grand mouvement, Rabbanu say a great movement, se passe taking place parmi les croyants du surnaturel. Among the supernatural believers. Faut pas dire, Rabbanu say, quand vous êtes en dehors, comment on appelle ça, out court. When you are extérieur. Frère, vous n'avez pas accès direct avec Dieu. But when you say you don't have access, the direct access to God. Et quand vous êtes dans les lieux saints, when we go in the holy place, frère, vous avez remarqué qu'il y avait une lumière artificielle. But when you say there was an artificial light. Amen. Parce que les chandeliers étaient allumés par un homme. Because the candlestick was lighted by man. Donc c'était la lumière, c'est la parole faite. The light is the man, la parole. The word made flesh. Mais là, c'était une lumière artificielle. There it was an artificial light. Frère Branham, le seul endroit où il y avait la lumière naturelle. Frère Branham, the only place that was a natural light. C'était dans les saints des saints. It was in the holy of holies. Là où il y avait la présence de la nuée. Where the presence of the cloud was. Amen. Donc quand on arrive à la présence de la nuée, when we get to the presence of the cloud, tout péché fini. All the sins. Mais ici nous parlons des juifs. Here we talk about
Jews, appelés par la fête des trompettes, called by the feast of the trumpet, par les six trompettes, by the six trumpets, ils devaient maintenant entrer dans la fête des expiations. So we're supposed to go in the feast of atonement. Qu'est-ce qu'ils reconnaissent là? What are they recognizing? Ils reconnaissent simplement que le Messie qui était crucifié là. Just they recognize the person that was crucified there. Il est incarné dans un homme ici. He's incarnated in a man here. Une fois que les Juifs reconnaissent ça, and once the Jews recognize it, ils font maintenant la fête des tabernacles. They go straight in the feast of tabernacles. Et la fête des tabernacles, the feast of tabernacles. Abraham dit c'est encore le septième millénaire. Abraham says again the seventh millennium. Yeah. Et le septième millénaire, the seventh millennium, c'est le millénium. It's the millennium. C'est là où nous parlons du millénium élément temps. That's why we talk about millennium in time element. Parce que dans le millénium élément temps, in the millennium time element, par le millénium élément temps est différent du pays éternel du millénium. The millennium time element is different than the millennium, the eternal land of millennium. Yeah. Parce qu'à la descente de la nuit, because by encounter the cloud, nous allons là dans le huitième jour. We go into the eighth day. Amen. Ouais. C'est là où nous allons parler du millennium et le matin. That's why we talk about millennium. Qui n'est rien d'autre que le repos. Which is nothing as the rest. Amen. Parce que quand on arrive à la fin de tabernacle, when we get to the end of the feast of tabernacle, les âges des prêtres déjà fait. The church age is finished. L'œuvre, c'est-à-dire que l'œuvre de l'homme prend fin. The works of man ends. Et c'est Dieu qui a dit œuvre. And it's God. Well, nous entrons dans un repos. We enter into a rest. Le repos, the rest, ce n'est pas que j'étais en train de travailler. It's not as I was walking. Je suis sur mon lit. And I'm in my bed. Ce n'est pas ça le repos. It's not that rest. Le repos, the rest, c'est se dépouiller de sa propre pensée. It's taking away your own thoughts. Et prendre dans la pensée de Dieu. And take the thought of God. C'est ça le repos. That's the rest. Et c'est ça le millénium. And that's the millennium. Frère Abraham dit que le millénium, c'est le millennium, c'est le repos. It's the rest. C'est le sabbat. It's the sabbat. C'est ça qu'il avait dit aux Juifs. That's what he taught them. Vous n'entrerez pas dans mon sabbat. Say you will not enter in my sabbath. Et le fils de l'homme est le maître du sabbat. And the son of man is the master of the sabbath. Donc entrer dans le repos. Enter in the rest. Qui est le millénium? Which is the millennium? C'est entrer dans le fils de l'homme. Is enter into the son of man. Qui est le sabbat? Who is the sabbath? Il n'est rien d'autre que la parole. Is nothing else but the word. Amen. Et les gens qui connaissent Dieu avancent. And people that know God's go for it. Did, no matter how much they try to put a curse on it, it can't be done. The blood of Christ separates that. God did not look upon any people as their own moral standards. The only thing he looks at is the blood of his own son, Jesus Christ. Amen. Amen. Frère, dans Egypte. In Egypt. Quand Dieu est venu appliquer le signe. When God say apply the sign, the token. Frère, tout ce qu'il devait faire, c'était appliquer le signe. Brother, all they had to do was to apply. Même si un Égyptien était caché dans cette maison. Even if the Egyptian was hidden in that house, il serait épargné de la mort. He would be saved from death. Pourquoi est-ce que les Égyptiens ne se sont pas cachés chez les Israélites? Why the Egyptians did not hide themselves inside the Israel? Parce qu'ils ne connaissaient pas les secrets. Because they didn't know the secret. Mais il y avait une Égyptienne. But there was only one Egyptian. Qui connaissait les secrets? Who knew the secret? Qui était Bithia? Who was Bithia? La mère de Moïse. The mother of Moses. Une Égyptienne. One Egyptian. Et s'est caché sous le sang. Hidden himself. Parce qu'elle avait écouté. Because she heard. Et elle n'est pas morte. And she wasn't there. Mais tous ceux qui étaient en dehors du sang. But everyone that was outside of the blood. Était frappé. Were struck. Donc c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de la vie de tout un chacun. No, it's not about the life of everyone. Parce que tous les Israélites n'étaient pas parfaits de la chair. Every Israel were not perfect in the flesh. Mais tant qu'ils restaient sous le sang. As long as they were under the blood. Ils étaient protégés. They were protected. C'est pourquoi le frère Branham dit. That's what Branham said. Que Dieu ne regarde pas à ce que vous êtes. That God doesn't look at what you are. Ce que vous êtes. What you are. Et pardon, ce que vous devez faire. What you have to do. C'est entrer maintenant sous le sang. To enter into the blood. Amen. Entrer dans la parole. Enter into the word. Et tout ce que Dieu voit, c'est la parole. And everything that God sees is the word. Et Dieu sauve l'homme. And God saves man. Par rapport à la parole qui contient dans son cœur. According to the word that he has in. Amen. Amen. And any person that's under the blood is safely protected. Tout homme qui était sous le sang était protégé. Amen. Comme je l'ai dit, que le sang, ce n'est pas une machine. As I said, the blood is not a chemical. Et le sang
C'est la parole. And blood is the word. C'est l'épouse. It's the bride. Amen. Amen. Parce que l'épouse, c'est la vie. Because the bride is the life. Amen. Amen. Parce que le sang a changé. Because the bride has changed. Amen. Amen. Le sang qui était là. The blood that was there. Le sang de Christ. In the church of Jesus. Qui est Jésus lui-même. Monsieur Jesus himself. Il a changé sa forme. He changed his form. Il devient l'épouse. Amen. The bride. Amen. Mais quand vous cherchez. But now, when you're looking for, vous allez devenir comme les Pentecôtistes. You become like a Pentecôtiste. Vous allez devenir les Pentecôtistes. You're calling them black. Vous parlez de quel sang? Which blood are you calling? Confused. Frère, le sang n'existe plus. The blood has never done. Amen. Amen. Acte 2. Acte chapitre 2. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Therefore, let all the house of Israel know surely that God has made the same Jesus whom ye have crucified, both Lord and Christ. Now when they heard this, they were pricked in their heart and said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of your sin, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Pour le pardon de vos péchés. C'était quoi le péché? What was the sin? C'était l'impureté. It was unbelief. Amen. Amen. Parce que les autres, oh, je vais me faire baptiser. People say, oh, I will come be baptized. Je vais d'abord confesser mes péchés. I will first confess my sin. Non, c'est pas ça. That's not it. Tu peux. Tu vois, c'est pourquoi les prêtres étaient en train d'accuser les gens. C'est le magistrat. That's why the high priest was the priest. Le prêtre catholique. The Catholic priest. There was accusing people. Il vendait la main chez le magistrat. They were telling the magistrate. Parce qu'on disait aux gens qui confessaient les péchés. They were telling people confessing sin. C'est dire au prêtre ce que tu as fait. He told the priest what you've done. Non. Ici. Here. On parle de la repentance. We're talking about repentance. Comme quoi, la reconnaissance de la parole qui était faite. To recognize the word made flesh. Et c'est la chose qui a accordé le pardon. That was the thing that gave forgiveness. Amen. Amen. Reconnaître la parole de ton jour. Recognizing the word of your day. Amen. Amen. Le frère Branham dit ceci. My brother is saying this. Token. Something. J'ai pas fait. Le signe. The animal life could not come upon a believer. La vie d'animal ne peut pas venir sur les croyants. Because it was an animal. Parce que c'était un animal. And it only spoke of a conscience showing that there would come a perfect sacrifice. Ça parlait juste de conscience montrant qu'il y aura un sacrifice parfait. Maintenant, frère. Now, brother. En construisant le tabernacle. By building the tabernacle. Si on construit le tabernacle, if we build the tabernacle there, ça nous ramènera dans ces sacrifices. It will bring us to this sacrifice. Oh, le frère dit que ce sacrifice ne pouvait pas expier le péché. But say, this sacrifice could not take away. Ça ne faisait que couvrir le péché. Only covering the sin. Si on construit le tabernacle, if we build a tabernacle, physical, il faut qu'il y ait aussi des sacrifices physiques. They also have to have physical sacrifice. Amen. Et le frère Branham nous dit maintenant que dans mon opinion, in my opinion, le tabernacle qui est érigé pour le millénaire, c'est l'épouse. Jésus a dit détruisez moi ce temple. Jesus said, destroy this temple. Dans trois jours je vais rebâtir. Three days I will rebuild. Amen. Il faut que les gens suivent Jésus. People have to follow Jesus. Jésus dit, les pharisiens dit. The pharisees said. Oh, cet tabernacle a pris beaucoup de temps pour être construit. That tabernacle took many years. Et toi, tu vas le reconstruire dans trois jours. And you will build in 3 days. Oh, il parlait qu'il est son corps. He's talking about his body. Amen. Et les sacrifices. And the sacrifice. Qui était offert? That was offered. C'est Jésus. It was Jesus. Construire le tabernacle. Building the tabernacle. Venir ramener le sacrifice. It means bringing back the sacrifice. Oh, ramener le sacrifice. Bringing back the sacrifice. C'est ramener encore Jésus dans la chair. Wow. Bringing back Jesus in the flesh. Et le crucifier. Wow. Crucifier. C'est ça. Deux fois. Tout le temps. Jésus lui-même
La première crucifixion était difficile pour lui. The first crucifixion was difficult for him. Et si vous voulez d'abord les ramener dans cette histoire, and you want to take him back in again. Ça c'est manquer de l'amour. That's missing love. Amen. Voilà pourquoi lui-même il était un sacrifice. That's why himself. Frère, il doit simplement être reconnu. Remember, he only had to do la chose and tout. And that's et, it. Et la chose est finie. And that's it. Donc on n'a pas besoin du tabernacle. We don't need the tabernacle. Yeah. Tout ce qu'on avait besoin, all c'est Israël qui devient une nation. All that we need is Israel becoming a nation. Point là. That's it. But finally, and now, how could there be a more perfect sacrifice than God Himself becoming the atonement? Comment on pouvait avoir un sacrifice parfait si ce n'est pas Dieu lui-même qui devient une chair? Himself, when God was made flesh in His own creative blood, only way that a life of God could ever come back. C'est la seule façon que la vie de Dieu pouvait revenir au croyant. C'est la seule façon que la vie pouvait revenir au croyant. That's the only way life could come to the believer. Amen. Donc, ça dit que beaucoup de gens ne comprennent pas l'importance de la parole qui se péché. Many people do not understand the importance of the word made flesh. Même dans cet âge, even in this age, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui apporte la parole. There had to be someone who brought bringing the word pour nous donner la vie, to give us life. On a dit qu'il est marqué qu'on ne donne pas la vie avec la tête. But one said they don't give life in the head. On donne la vie avec le corps. They give life with the body. Oh, Jésus, lui, il est la tête de l'Église. So Jesus is the head of the church. Et son corps, ce sont les croyants. And his body is his believer. Donc il donne la vie à partir de son corps. He gives life from his body. Amen. Et la vie c'est le sang. And life is the blood. La vie c'est le sang. Life is the blood. Maintenant, et le sang c'est la chose qui produit l'expiation. And that blood is the one that makes atonement. Et ça qui vient doit être dans le corps. And that blood must be in the body. Qui est son épouse? Which is his bride. Et l'épouse maintenant apporte la vie. And the bride now brings life. Qui accomplit? That accomplit l'expiation. The atonement. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus était l'antitype de l'agneau qu'on immolait là-bas. That's what Jesus was the antitype of the lamb that was slain there. Amen. We want to finish them. The fact of it's been a bitter persecution against Israel because it's been the calling him now back to the atonement. C'était une grande persécution pour Israël parce que c'est l'État qui sont appelés pour l'expiation. Il est still under the atonement of natural land. Il sont encore sous l'expiation des agneaux naturels. Amen. Amen. The real lamb of God is the atonement. Le véritable agneau de Dieu, c'est lui l'expiation. And he has rejected, il l'a rejeté. And the blood has been upon him ever since. Notice, making ready the people. How perfect the seventh trumpet and seventh seal is perfected together, the persecution of the Jew. Amen. Donc, Jésus, lui qui était l'agneau parfait, was the perfect lamb. Ici, le Bible dit qu'ils étaient, qu'ils sont encore sous l'expiation des agneaux. Here, the Bible says they're still under the atonement of agneaux. Ils attendaient maintenant l'agneau parfait. They were waiting for the perfect lamb. Partir en rouge. Il dit le genuine atonement, la véritable expiation, la parole. Christ est personnifié dans sa parole ici. Christ is personified in his word here. Fait chair parmi nous. Made flesh among us. La science l'a prouvé par les photos. Science has proven by pictures. Donc ça dit l'expiation. That means the expiation. C'est Christ manifesté parmi nous. It's Christ manifested among us. Et c'est Christ manifesté parmi nous. And this Christ manifested. La science en a pris la photo. Science took pictures. Donc quand vous voyez la photo là, when you see that picture, yes? C'est la photo de l'expiation. The picture of the atonement. L'expiation des Juifs. Of the Jew et les gentils. And the gentleman. C'est ça Christ personnifié. That's Christ dans son église. In his church. Je vais lire quelque chose ici pour clôturer. I will read something here to finish. Le frère Branham dit ceci. Brother Branham said this. Le frère Branham est parti dans une synagogue. Brother Branham went to a Jew's synagogue. Il est parti prêcher aux Juifs. He went to preach to the Jews. Il faut vraiment mettre ceci. La progression est santé de la vie. The path of life. The path of life. Il dit,
penses, ce serait un bon moment que de venir une fois tenir un service de guérison dans cette synagogue et d'avoir les juifs. It would be a great moment to have a meeting in this synagogue and to have the Jews. Amen. Donc c'est une grande chose pour moi. It's a great thing for me. De venir prêcher ici dans la synagogue. To come and preach in the synagogue. Pour avoir les Juifs. To get the Jews. Amen. Mm-hmm. Il dit, j'ai toujours eu la sympathie pour les Juifs. I always have feelings for the Jews. Écoutez, peut-être qu'il n'y en a aucun ici. Because it might not be any of you here. Mais j'ai de la sympathie pour eux. But I always have a feeling for them. J'en ai toujours eu. I always have. Je crois qu'un jour, I believe one day, l'église des gentils amènera le message aux Juifs. The church, the gentle church will take the message to the Jews. Comme les Juifs l'ont apporté aux gentils. As the Jews brought it to the gentiles. Je le crois de tout mon cœur. I believe it with all my heart. Et alors, and then, quand il retournera aux Juifs dans sa plénitude, when he shall return to the Jews in fullness, observez la porte des gentils sera alors fermée. Observe the door of the gentiles will be closed. Et ce sera le tour des Juifs. And it will be the Jews' turn. Ainsi, c'est maintenant le temps. And now is the moment, is the time. Amen. Je suis très heureux d'être en ce moment, même à l'intérieur. I'm very happy to be in this moment, even inside. Que Dieu bénisse ce voyage petit homme, le frère Michelson, vous le connaissez. May God bless the brother Michelson. Je ne l'ai jamais vu dans ma vie. I've never seen him in my life. Je ne le reconnaîtrais pas si c'était lui ici. I will not recognize him if he doesn't stand here. Il peut bien être dans l'auditoire et je ne le saurais pas. He can be in this auditorium, but I will not know. Mais j'ai suivi son émission. But I follow his émission. Et j'apprécie cela. And I appreciate it. C'était un grand serviteur de Dieu. He's a great servant of God. Ce pauvre petit juif qui a maintenant consacré sa vie au service de Dieu. This little, poor little Jew that consecrated his life for God. J'aime la manière dont il le dit. I love the way he says it. Mon Jésus. My Jesus. C'est un Juif. It's a Jew. Il reconnaît Jésus. He recognizes Jesus. Femme dit que si un rabbin simplement reconnaît. But don't say if one rabbin. Une nation naîtra dans un jour. A nation born in one day. Ça c'est en 1962. This is in 1962. Donc les Juifs ont reconnu Jésus. The Jews recognize Jesus. Un rabbin qui dit mon Jésus. A rabbi who saying my Jesus. Femme, je me suis dit que c'était très frappant qu'un Juif dise cela. My goodness. I say it was so shocking to see a Jew saying that. First, brothers, les Juifs ont reconnu l'expiation. The Jews recognize. Nous avons même dépassé la fête des expiations. We passed the feast of the atonement. Il a été importé de flambeaux, quelqu'un qui tient le flambeau pour les Juifs dans ce pays. Partout à travers l'Amérique ici. Et ma sincère prière est que Dieu donne à ce vieux et faible bras la force de tenir jusqu'à ce que Jésus vienne. Ma sincère prière est que Dieu donne this brother to hold on until Jesus comes. Amen. Si cela est possible. If that's possible. Je l'admire. Admire. J'admire les vieux hommes quand ils ont combattu les bons combats. Admire the old people when they fought the great fought. Amen. Maintenant ici, now here, dans les grands réveils imminents et l'effusion du Saint-Esprit. Prêché en 1954. Prêché en 1964. Je vais finir par cette chose. I'll finish with this sermon. Je le souhaite. How would you? Écoutez le frère. Il dit, j'allais manquer de vous donner maintenant, et je suis sur le point de vous donner le plus grand signe que vous ayez jamais entendu. I'm about to give you a great sign that you ever heard. Et l'une des choses que je veux vous montrer, and one of the things I want to show you, c'est le réveil qui est sur le point d'éclater. It's the revival that's about to spread. Vous les gentils, écoutez-moi. You the gentle, listen to me. Vous les juifs, écoutez aussi juste un instant. You the Jews also listen also. Amen. Amen. Le frère Branham s'adresse aux deux peuples. Et quand il s'adresse déjà aux juifs, when he's talking to the Jews,
Les gentils doivent déjà céder. The Jews, the Gentiles were supposed to give up. Parce que le Pharaon dit quand ça sera le temps d'Israël. But when I'm saying when it's time for Israel, la porte sera fermée pour les gentils. The door will be closed for the Gentiles. Amen. Or les Juifs, les gentils ont déjà rejeté Christ depuis longtemps. The Gentiles have already rejected Christ long time ago. Les femmes ont dit. But what I'm saying is, ne te fatigue pas Israël, ton temps est proche. Don't get tired, you Israel, because your time is near. Vous connaissez les proches là. You know. Tant dit que le royaume de Dieu est proche. When they say the kingdom of God is near. Donc ça y est là. That means there. Donc les femmes là vous les disent. Ne te fatigue pas Israël. Don't get tired, Israel. Ton temps est arrivé. Your time has come. Parce que là la porte des gentils est déjà fermée. The door of the gentiles was already closed. Let the grand seed. One of the great signs. Et il a toujours été dans la Bible. And he always been in the Bible. Voyez là où sont les Juifs. See where the Jews are. Voyez où sont les Juifs. See where the Jews are. Si vous voulez connaître les jours de la semaine. If you want to know the day of the week. Consultez les calendriers. Look at the calendar. Si vous voulez connaître les jours dans lesquels vous vivez. If you want to know the day, tell me. Le plus grand signe que Dieu ait jamais donné. The great sign that God has ever given. C'est d'observer les Juifs. To observe the Jews. Quand il a dit qu'il serait dispersé parmi tous les peuples. When he said he would be spread around the people. Il n'y a pas longtemps. It's not far. J'ai regardé un film. I was watching, not long, but I was watching a film. Un frère de la côte ouest. A brother from the west. Frère Adam Bray. Adam Bray. Vous connaissez le film là? You know the film. Minuit moins trois. Feminist to midnight. Et depuis ce temps là. Since that time. Les Juifs retournaient à Jésus. The Jews were returning back to them. Amen. Et le frère Branham a quitté la terre il y a longtemps. Left a long time ago. Israël est une nation il y a longtemps. Israel is a nation long time. Est-ce que Israël n'a pas reconnu? Est-ce que Israël n'a pas reconnu? Amen. Donc pendant que nous sommes en train de parler ici, as we're talking here, Israël a déjà reconnu l'expiation. Israel recognized the expiation. Donc comme on avait dit, as we said, que quand vous voyez la nuit descendre, when you see the cloud coming down, toutes les fêtes sont déjà terminées. All the feasts are finished. Parce que le frère Branham a dit, but Branham says, que le temps de la fin, the end time, c'est la fin de la 70e semaine. It's the end of the 60 weeks. Quand nous disons le message du temps de la fin, when we say the message of the end, ça dit que c'est la fin de la 70e semaine. Means the end of the 60 weeks of time. 70 weeks of time. Yeah. Et la personne qui a prêché le message du temps de la fin, the person who preached the message of the end time, il est déjà parti. He's already gone. Mais nous, by us, nous continuons toujours avec le message du temps de la fin. We're still going with the message of the end time. Amen. Frère, aujourd'hui nous n'est plus dans le message du temps de la fin. But now we are not in the message of the nous sommes maintenant à Shalom. We are Amen. Shalom. Parce qu'on n'est plus dans le temps du soir. We are not in the end, night or evening time. Nous ne sommes même plus minuit. We know even midnight. Parce que le grand jour s'est levé. Oh, the great day has come. C'est le lever du soleil. It's the rising of the sun. Et le lever du soleil, c'est la fête, frère, de toutes les fêtes. And the rising of the sun is the feast. Fête. It's the end of all the feasts. Si on n'était pas arrivé à la fête des fêtes, if we didn't get to the end of the feast, je n'aurais même pas prêché ça. I wouldn't have preached it. Parce que Dieu révèle quelque chose. Because God reveals something. Quand c'est de l'histoire. When it's the history. Donc, tout ce qui nous prêchons ici, everything that we preach here, du début jusqu'à la fête, c'est l'histoire. Il n'y a rien de présent. Ah. Ce qui est présent, what is present? C'est la ville de Père et de lumière. The city. Pyramidal city. C'est la ville pyramidale. Parce que Jésus avait dit que ce royaume, c'est un royaume indépendant. Jesus said that kingdom is. Inébranlable. It cannot be destroyed. Yeah. C'est un royaume inébranlable. It's a kingdom that cannot be destroyed. Qui est venu même de l'éternité. That came from eternity. Qui est venu mettre fin au temps. That came to put the end on in time. Amen. Amen. Le temps, c'était d'observer Israël. The time was to observe Israel. Et les sages de l'Église. And the church angels. Les sages de l'Église ont tout fait. The church angels handled. Israël est dans sa patrie. Israel is in his land. L'ange poussait de sa vie. Amen. Angels. My angels. Il a dit il n'y aura plus de temps. He said there will not be any time. Donc le temps est déjà fini. That's when the time is finished. Nous sommes déjà dans le royaume. We are already in the kingdom. Amen. Prochainement, on va parler de la fête du tabernacle. Next time, we'll talk about the feast of the tabernacle. Pour faire la différence entre le millénium et le matin et le millénium du pays éternel. To make the difference
between the millennium element, time element, and the millennium of eternal. Amen. Yes, amen. May the Lord bless you. Thank you.
Oh,
Seigneur,